En tant que sélectionneur de l'équipe A, il y a des gens qu'on a à cœur de pouvoir avoir un peu de jeunes pendant qu'ils sont en train d'évoluer dans les championnats respectifs en Europe et en Congo, voir un peu ce que ça va donner, le 11 qu'on va donner, et en espérant qu'on pourra trouver une machine assez rapidement. Qu'est-ce que vous pensez à l'équipe algérienne et à coach Kalmat? Je ne suis pas flatteur. Je suis directeur technique, je suis l'équipe depuis le CAIR, depuis le premier match. J'avais été séduit par son principe de jeu, sa philosophie, son travail aussi, sa personnalité. Je suis nommé à la tête de l'équipe nationale et je tombe contre une personne que j'ai en admiration, donc c'est clair que ça me fait plaisir, d'autant plus que c'est chez vous et c'est les champions d'Afrique, c'est très flatteur. En plus, j'ai mon mentor, c'est M. Saïd Adouche, qui a été directeur technique aussi à l'Algérie, donc tout est réuni pour que ce soit une fête pour moi. Pour nous. Quels sont les joueurs que vous connaissez plus en Algérie? Guimarães, bien entendu, on va hésiter, et puis le gardien de but, qui est donc de père congolais et de mère algérienne, qu'on a pu avoir, et puis le reste, c'est une équipe extraordinaire. Et non, peut-être que je ne saurais pas bien les prononcer, mais je ne voudrais pas faire d'erreur, mais c'est une équipe qui est complète. Le temps de voir ça, les gens au Caire et tout, donc c'est clair que c'est si j'en cite un, on est toujours de l'autre, et je risque peut-être de pouvoir être pas juste. Je pense que c'est une équipe qui joue très bien au football, qui est intelligent, discipliné et tout, donc voilà, c'est une des favoris, on les récupère, donc ils sont au centre d'Afrique. Et je le répète encore une fois, c'est vraiment un immense. Une bonne occasion, un immense honneur aussi d'avoir été sollicité et on va être à la hauteur. D'accord. Mon groupe sera. Est-ce qu'il y a des blessures? Oui, il y a des blessures. Il y a une dame qui s'est blessée. Massimo Bocani qui est incertain aussi. Hein, il y a aussi une blessure. Pour le reste, je pense qu'on sera tous là. On sera tous là où vous pensez. Le 6 ou le 7. Je pense que ce sera le 7, vraiment complet le 7. Tout le monde sera là le 7. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie, ça fait plaisir. Merci, à bientôt. Les joueurs, il y en a que 4 qui sont ici pour le moment. Il est où Kassan? Il est déjà parti dans la chambre. Alors, il est gardé de but de Vecchio. Ça va. Garde-le, donne-le. Jackson, non. C'est Jackson Lunanga. Vas-y, c'est ça. Ok, Jackson Lunanga. Je suis le gardien de l'Université de Tafel. Monsieur Jackson, comment vous vous préparez? Nous remercions d'abord le Seigneur, nous avons la force d'arriver ici dans la capitale de l'Algérie. Bon, la préparation de notre match. Nous
même pas sauté. C'est peut-être une journée plus fort. On s'est pris que c'est un match local. Nous sommes venus aussi avec une détermination. Et jouer avec les champions d'Afrique, ce n'est pas toujours facile de jouer avec les champions d'Afrique. C'est une grande nation. Nous les respectons. Ils ont des grands joueurs. Mais les Congolais aussi ont des grands joueurs. Ce sera un bon spectacle. Qu'est-ce que vous pensez à l'équipe algérienne et le coach Belmadi? D'abord, je présente d'abord mes félicitations pour eux par rapport au titre que nous avons remporté à la CAF. C'est une bonne équipe, Ils ont des bons joueurs comme je viens de le dire. Mais c'est une occasion aussi de découvrir de l'expérience. Les grands joueurs qui jouent à Nîmes, parce que nous jouons à Nîmes, ça nous sera d'aimer aussi et partager les bons moments contre les joueurs. Mais quand même, c'est un bon coach. C'est un coach qui a de l'avenir. C'est un coach qui s'en travaille pas toujours sur le terrain. Quels sont les joueurs que vous avez? Je mettais d'abord les gardiens. La préparation. Les autres vont les jeunes aussi, demain. Nous espérons que nous allons aborder notre match ici. Très bien. Et puis on va aussi aller en France pour jouer contre la Côte d'Ivoire. Ça sera une bonne préparation pour ça. Merci. Merci. Merci.